Les enfants, direction Gorakhpur. Le train part dans quelques minutes, il est 11h55, on a 5 heures de train quand même. Fin d'après-midi à Gorakhpur, étape ce soir dans un petit hôtel et demain re, bus ou train, mais a priori bus, pour la frontière népalaise qu'on devrait franchir demain, on sait pas quand. Mais demain, non, après-demain, oh là là, perdu déjà. On va y arriver. Allez, ciao et à plus en train. Ça rime pas du tout. Bon, avant le départ, un petit mot d'Anne qui est dans ses lectures. Ben, train en avance. On a des places, on s'est fait des places assises parce qu'au départ c'était une place couchée. Donc on a vite remonté ça derrière pour faire des places assises. Donc on est bien. Wagon climatisé. Enfin, un peu. On vit le luxe aujourd'hui. On vit le luxe. Moi je vous le dis, c'est la folie. Mais il faut de la chance. Puis, bon, pas vu le contrôleur. Les rideaux sont pas trop luxe, hein. Non, on voit. Hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est un peu déchiré, quoi. C'est la vie indienne. Voilà le reste du vacances. Ouais. Jeudi 2 mars. Direction le Népal, normalement. On va voir. Alors là, on a passé la nuit à Gorakhpur. Et on s'en va à la station de bus, là. On va chercher un bus pour la frontière népalaise, qui est à 3 heures de bus. Ouais, voilà. On compte en heures de bus. 130, 140 km à peu près. On va bien voir ce que ça donne. Bon, en fait, ça va tellement vite quand on arrive à la gare de bus. Tu demandes à quelqu'un qui t'envoie vers les bus. Il y en a toujours un qui est en train de partir. À chaque fois, c'est le même coup. Donc, on saute dedans, on n'a pas le temps de filmer. Et là, effectivement, on part. Alors, on part au ralenti parce qu'il essaye de capter du monde. Il y a encore de la place. Mais voilà. Et puis, il est authentique, hein, le bus. Hein. Authentique. Ça va être joyeux. Même sur le contrôleur. La pause chai, tout le monde sort. Hello. Hi. Le monsieur du chai. Et un petit verre en terre. Super. Bon, c'est sûr, c'est pas un bus de la toute première jeunesse, hein. Pas de quand ça peut dater ces trucs-là. Mais ça roule. Ça roule toujours. On se demande quand est-ce que ça va tomber en rue. À quel moment il décide vraiment qu'il là il est plus bon pour rouler. Je pense que c'est quand le moteur est mort. Tant que le moteur il arrive à le faire tourner, tout tourne. Ça fout les jetons quand même. Vous noterez que je ne suis pas d'accord. Elle n'est pas contente. Il nous emmène au bureau d'immigration parce qu'il faut le trouver pour tamponner la sortie de l'Inde. Et après, il nous emmène à la frontière. C'est la solution de facilité quand même. Oh, mais c'est très bien, regarde. En plus, ça lui fait les mollets. Je crois qu'il compte faire. Il compte faire le sommet de l'Everest. Ah oui, pas des lots, le monsieur. Ça lui fait des sous. C'est son boulot. Ah oui. Il fait un peu d'argent, 200 roupies. Allez, c'est pour bientôt. Ah,
Ça y est ? Ça y est, on l'a. On est autorisé, on est au Népal. Ouh, c'était pas évident. C'était long, il y avait plein de choses. Long, oui. Heureusement qu'en sortant du bus, on a pris notre homme à vélo qu'Anne ne voulait pas ouais, parce que il nous a bien guidé, Pépère. Hein. En fait, il y avait 4 bureaux au lieu de 2. C'était pas du tout comme sur diplomatie.gouv. Hein. Faut pas écouter diplomatie.gouv, il faut prendre un faut prendre un monsieur avec des vélos, il t'emmène à tout. Bon. Allez, on va chercher pour le téléphone maintenant. Une route d'enfer, dans des conditions d'enfer. Je l'avais dit. Hein. Ça fait 2 heures qu'on est parti, ça fait 2 heures qu'il y a des travaux. Et des travaux qui sont jamais finis. 3 heures dans un bus avec aucune suspension mais qui va à toute vitesse et on a la musique. Il va à toute vitesse, ça ne doit pas dépasser les 30 km/h, mais bon, c'est l'enfer. Il fait pas vite quand même. Allez, là, Léo Sebo nous l'avait dit. A plus. Mes enfants, on a crevé. Normal à rouler comme ça, on s'est arrêté dans un petit bistrot avec un monsieur charmant. Voilà. Et là, je crois qu'on va repartir. Ok. Namasté. Namasté au Népal. Oui, namasté, ça se dit pareil. Bon, on est arrivé hier vers midi à peu près au Népal. C'est ça à peu près, hein, oui. Frontière. Oui. Ça a été très compliqué. Notre petit gars à vélo nous a beaucoup aidé. Je l'ai déjà dit sur une vidéo précédente. Mais... on a bien fait de prendre un gars comme ça parce qu'il connaissait tout. Donc, c'était pratique. Il y avait 4 points différents, 2 points en Inde. On nous tamponne le truc de sortie, il y a la police qui nous enregistre, ils adorent les petits cahiers. Et repareil de l'autre côté, une police touristique, je ne sais pas trop quoi. Et après, re-tampon visa, photo, enfin bref. Non, plus tout ça a été galère. Ce qui n'était pas prévu, quoi. Les endroits, ce n'était pas là où c'était prévu, le nombre de trucs, ce n'était pas ce qui était prévu. Non, et on nous a même demandé le Covid. Le prévu, c'est des trucs qu'on retrouve sur des blogs alors et qui datent de 2015. Alors les choses changent. Bah, diplomatie. Point. Et le Covid, ils en parlaient pas. C'est vrai que là, on nous a demandé les vaccins. On nous a demandé ceux qui arriveraient au Népal maintenant ou qui prévoient de venir au Népal. Faut prévoir les vaccins. Test PCR. Voilà. Il y a des jeunes qui avaient test PCR. Donc on s'est fait un petit repas. On a pris un petit bus qui nous a emmené dans une ville sur une voie royale de 10 km, 2x2 voies, magnifique. On s'est dit, ça part. Mètres. Oui, mais ça partait bien. Ah, ça partait bien. Oui. Et après le deuxième bus, là, ça a été la cata totale. Je l'ai déjà dit. Vous n'avez que sauté en fait. C'est une piste. Ils sont a priori les Chinois construisent des routes ici. Mais une catastrophe. On a mis 6 heures pour faire une centaine, un peu plus de 100 km, 130 km. En ça a été tout l'enfer. Mais le gars, c'était un jeune qui conduisait, il doublait tout le monde dans les fossés. Bon, nous voici bien arrivés. On ne va pas en dire plus parce que maintenant, ça concerne la vidéo du jour, donc on enchaînera. Mais on est bien là. Ça a été long, on était fatigués, mais on est bien là, ici pour 4 nuits. On a déjà vu des animaux. Yes. Allez, bisettes les amis, bonne journée à tous, bon vendredi, bon début de week-end pour ce soir. Et puis on vous embrasse fort. Bisous. Ciao.